Taïeb, je dis que ce n'est pas une question d'ignorance quand la personne a dit, sinon pardonnez mon ignorance, car au contraire, c'est une question pertinente. Naam, une personne va dire, subhanallah, dans la tombe, tout le monde sait que le croyant, yani, on va lui montrer, lui ouvrir une porte vers le paradis, on va lui dire dors, et le kafir, on va lui ouvrir une porte vers l'enfer, après lui avoir ouvert une porte vers le paradis, bien sûr. Donc, yani, et yom al-qiyama, on a cité que quand la personne meurt, pas yom al-qiyama, quand la personne est dans la tombe, aussi son âme monte, yani, et descend, elle est entre la tombe où elle voit sa place dans le paradis, et elle est en même temps, de temps en temps, ou la plupart du temps, yani, dans un oiseau, dans un volatile, ou quelque chose comme ça, en train de, yani, de brouter de l'air du paradis. Donc la personne sait, c'est de par son passage dans la tombe et de par le fait qu'elle soit dans un volatile, yani, au paradis. Donc c'est où est sa place. Donc ça, c'est un problème. La réponse, c'est que la personne, quand elle va sortir de sa tombe, après qu'Israfil eut, yani, soufflé dans le corps, dans la trompe, la personne sort dans un état de bouleversement et de peur et de crainte, nam, au point qu'elle va tout perdre. Nam. Elle va perdre toutes les données qu'elle avait. Nam. Elle va perdre tout ce qu'elle savait. Comme m'a dit nam, tu vois la personne, tu crois qu'elle est sous alors qu'elle n'a pas bu de vin, elle n'a pas bu d'alcool. Et la peur au point où celle qui était enceinte va, yani, va jeter son bébé. Va le jeter, ça veut dire il va tomber. Et celle qui a allaité, qui a un bébé collé à sa poitrine, elle va le jeter, se désavouer de lui. L'essentiel, elle cherche comment se sauver sa peau. Donc comment une personne comme ça va, yani, se rappeler qu'elle va aller au paradis, qu'elle était au paradis, etc. La preuve aussi, la preuve, c'est pour ça les savants ont dit, grande preuve aussi que tous les gens vont oublier, c'est que ils vont rester combien comme ça d'années debout en train d'attendre que Allah Ta'ala, yani, vienne pour les juger jusqu'à ce que quelqu'un dise, et si on allait voir Adam et lui demander de faire l'intercession. Ensuite, Adam va leur dire, allez-y, yani, il a dit, allez voir Noé. Ensuite, ils vont voir Nouh. Et Nouh va leur dire, allez voir Ibrahim. Et comme ça, yani, l'un va les envoyer à d'autres. Les savants ont dit, s'ils pouvaient se rappeler, pourquoi alors ils ne se rappellent pas ce hadith et ils savent que le dernier va les envoyer à Mohammed a.s. Donc pourquoi ils vont passer par Adam, Nouh, Ibrahim, Moussa? Ils vont directement chez le prophète a.s. Car ils savent que c'est comme ça que se termine le hadith. Mais ce hadith, ils vont l'oublier aussi. Ils vont l'oublier. Donc, yani, c'est comme si venait de naître, yani, c'est tout nouveau. Yani, ils vont tout oublier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit de ceux qui iront au paradis, qui seront préservés, yani, des affres de l'enfer. Et de ce jour, yani, de ce jour. Yani. Tfadla.